Shabbat Shalom, bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Nous voici donc au chapitre 49 de Jérémie, il y en a 52, donc on est à la fin du livre de Jérémie. Donc ce chapitre 49 va nous servir effectivement d'introduction à la paracha 43, okay, du cinquième mois. Comme vous le voyez à l'écran, je vais vous montrer, voilà, un instant, voilà. Donc ici nous sommes au cinquième mois de l'année spirituelle. Donc, premier Shabbat de ce cinquième mois, vous voyez, nous avons deux parachutes, 42e paracha et 43e paracha. Ici, nous faisons l'introduction à la 43e paracha, Massei étape. C'est en fait ici les derniers chapitres du livre des Nombres, Bamidbar, et on va aborder en fait Deutéronome, qui est le dernier livre en fait, bon, de la Torah, avant de repartir pour un nouveau cycle. Nous sommes là au chapitre 49 de Jérémie. Donc nous verrons dans les prochains Shabbat, les chapitres en fait 50, 51 et 52 de Jérémie, qu'on sera obligé de couper en fait en deux parce qu'ils sont très longs. Okay. Et effectivement, donc on va analyser plus en détail car cela nous concerne dans les temps qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Ok. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur. Nous voici au cinquième mois, au premier Shabbat du cinquième mois de l'année spirituelle. C'est toi qui nous formes, qui nous façonne. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, nous voici Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin d'être instruits, façonnés par ta parole à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur, parce que c'est toi notre Dieu et nous sommes tes enfants. Nous sommes fils et filles de Tzion, parce que tu nous as rachetés au travers de Yeshua, ton fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, que nous puissions être formés, façonnés et montés sur la montagne de Tzion, montés sur la montagne spirituelle que toi tu as mis en place au niveau de ta parole à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Merci mon Dieu, mon Père, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Aide-nous mon Dieu, mon Père, à mieux comprendre. Ouvre les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions mieux discerner. Amen. Donc, ce chapitre 49, nous allons le voir. Donc, le voici. Ok. Donc, le chapitre 49 va nous parler essentiellement des nations. Des nations, et des nations qui sont proches d'Israël, et celles qui sont plus éloignées, oui, bien sûr. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a vu dans Jérémie 25, oui, la coupe de la colère de l'Éternel va effectivement se répandre sur toutes les nations, sans exception. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le ciel, Dieu a fait la terre, il a donné en fait sa parole, il l'a révélée à Moïse, à Moshé, okay, afin que Israël puisse écouter et mettre en pratique, mais pas seulement Israël, afin que toutes les nations puissent écouter et mettre en pratique sa parole, les enseignements de sa Torah, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, afin que les hommes sur la terre qui croient puissent être un seul peuple, une même âme, un même esprit, afin de glorifier le seul vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Or, nous avons vu que les hommes et les femmes font ce qu'ils veulent la plupart du temps sur la terre, mais n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Ce fut le cas, en fait, bon, d'Israël. Voilà pourquoi Israël a eu, en fait, bon, des revers de médaille, okay, des malédictions se sont étendues sur eux plutôt que les bénédictions. Pourquoi? Toujours à cause du péché, des transgressions et des iniquités. Donc, Dieu, dans sa bonté, en fait, ici, prépare en fin de compte des choses afin que les hommes et les femmes puissent être dans certaines situations, okay, de détresse, oui bien sûr, ou de détresse angoissante. Donc il va répandre en fait même des fléaux, en fait si besoin est, afin que les hommes et les femmes puissent se repentir. Mais Dieu ne veut pas faire mourir parce que c'est le Dieu de la vie, il veut donner la vie et en fait toujours il cherche le moyen de, en fait, amener les hommes et les femmes à la repentance. Voyons, si vous le voulez bien, le chapitre 49 de Jérémie. Donc, cela nous parle d'abord sur les enfants d'Ammon.
Amon, sur les enfants d'Amon, lisons ce passage, versets 1 à 6. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm, c'était le dieu en fin de compte d'Amon, possède-t-il Gad? Gad et son peuple habitent-ils ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabba, des fils d'Amon, des enfants d'Amon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Rezbon, car Haï est ravagée. Poussez des cris, filles de Rabba, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles, car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors, qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur. Déclaration d'Adonai l'Éternel. Ok, ici c'est bien Adonai l'Éternel, en fait en hébreu. Des armées. Elle viendra de tous les alentours, chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon, déclaration de l'Éternel. Bref, ici quelques versets pour dire que Jérémie, en son temps, c'est-à-dire dans les années 600 avant Jésus-Christ, eh bien, enfin, qu'il y a eu des prophéties qui ont été données, oui, par Jérémie notamment, okay, mais il y en a eu par Ézéchiel, il y en a eu par Amos, il y en a eu par Ésaïe en fait aussi, okay, qui annoncent en fait le malheur sur effectivement Amon. Amon, comme vous le voyez sur la carte à droite, okay, je vous montre, je vous l'agrandis, en fait ici, pour que vous puissiez mieux voir. Ok, voilà. Bon, on agrandit. Donc Amon, donc vous voyez les 10 tribus d'Israël, un peu partout en fait ici, à gauche en fait ici du Jourdain, et en fait à droite du Jourdain, pardon, vous voyez Ruben, vous voyez Gad, et au-dessus, vous voyez en fait Manassé en fait en rose en fait ici. Ok. Donc là, c'était le territoire en fait des enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël, en fait, au temps de Josué, au temps des juges, en fait, ici, récupère le territoire de la promesse. Ok. Moab se trouve en dessous, vous le voyez, c'est inscrit sur la carte, en bas à droite, et Édom tout en bas. Ok. Donc, Édom, c'est tout en bas, Moab, c'est au-dessus, et Ammon, légèrement sur la droite, c'est le territoire, en fait, d'Ammon. Ok. Donc, Ammon, qui est, en fait, un des fils de Lot, tout simplement. C'est le frère de Moab. Donc voilà son territoire au moment de la distribution, en fin de compte ici, des, comment dire, des territoires aux tribus en fait, bon, d'Israël. Ok. Voyons un petit peu ce que l'Éternel dit en fait sur Amon. Alors, on va aller voir, je vous ai fait un petit résumé en fait en bas. Ok, sur Amon, le voici. Donc Amon, ici, je vais même vous l'agrandir pour que vous puissiez quand même un peu mieux voir. Ok. Donc, Amon, je vais l'agrandir encore, comme ça vous pourrez mieux voir quand même aussi. Voilà. Donc, Amon, ça existe effectivement 105 fois dans 98 versets. Amon ou les Ammonites, okay, ils descendaient en fait bon de Lot, okay, comme les Moabites. Okay. Et donc, comme s'ils descendaient de Lot, ce sont les filles en fin de compte de Lot qui ont enivré leur père et qui ont couché en fait avec. Donc, ça a donné Moab, c'est la grande fille, ok, et la petite fille, en fait ici petite fille, la sœur plus petite, etc. Ok, et bien la plus jeune, ok, elle a couché aussi avec son père, ok, après l'avoir rendu ivre. Donc, résultat des courses, la grande effectivement a donné Moab et la deuxième, la cadette, a donné en fait ici. Donc, Amon. Ok, tout ça, ça veut dire qu'ils ont couché avec leur père. Le fait de coucher, en fait, avec la famille, comme cela, ça entraîne automatiquement des malédictions. La malédiction, en fait, ici, elle est très clairement, en fait, exprimée
Ça veut dire que, en fait, ici, l'inceste, si je puis dire, entraîne une malédiction sur 10 générations. Donc, 10 générations pesaient sur eux, donc ils ont acquis ainsi, okay, donc ils ne pouvaient pas rentrer, en fin de compte, dans le pays d'Israël ou se convertir, c'était impossible. On a vu le cas avec Moab, en fait, aussi, et à la 11e génération, eh bien, en fait, Dieu suscite Ruth, okay, qui devient, en fait, ici, en fait, qui devient, en fait, ici, qui revient dans le pays d'Israël avec Naomi et qui va épouser Boaz, etc. Et ça va donner David, ça va donner la descendance, en fait, du Machiav. Donc, c'est une personne qui vient, effectivement, de l'étranger, en fait, ici, ok? Et, effectivement, donc, elle est adoptée. Pourquoi? Parce qu'elle dit, en fait, à Naomi, « Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. » Donc, c'est, en fait, l'image de la croyante même, en fait, ici, qui, en fait, peut recevoir une bénédiction pleine et entière et appartenir même à la descendance de Christ, en fait, ici, car Christ descend de Ruth. Donc, ici, donc, pendant 10 ans, ça veut dire que 10 générations, les générations ne peuvent pas se convertir et donc ne peuvent pas être sauvées. Le résultat de la course, c'est que finalement, ils sont destinés à la fosse, tout simplement. Ok, le territoire, donc Ammon, a récupéré donc un territoire entre le pays de Moab au sud et le torrent de Jabbok, okay, au nord. Ils en ont été dépouillés peu avant l'arrivée des fils d'Israël par Sihon, roi des Amoréens, qui les avait repoussés vers l'Orient. Je vous remontre en fait la carte, tout simplement. Ok. Donc, au temps de Mosché, le territoire de Gad, que vous voyez là, en fait, ici, ok, Gad est au-dessus, en fait, ici, donc en, comment dire, en crème, en fait, ici, couleur crème, donc le territoire de Gad était envahi, en fait, ici, par Sihon, Og, roi de Bassan, et Sihon, roi des Amoréens. Donc, ici, c'était les Amorites, les Amoréens qui habitaient là. Donc, comme ce n'était pas du tout eux qui devaient, en fait, être là, c'est, en fait, les enfants d'Amon, ok, Dieu, en fin de compte, ici, dit, en fin de compte, ah, effectivement, Moshe, tu vas conquérir tout le pays, en fait, ici, à l'est du Jourdain, c'est-à-dire le territoire de Ruben, le territoire de Gad, et le territoire de Manassé, en fait, au-dessus, ok. Donc, ces territoires ont été conquis, à, en fait, contre les rois, Og, roi de Bassan, qui a été au nord, et en fait, Sihon, roi des Amoréens. Okay? Donc, à ce moment-là, les enfants d'Israël ont vécu, en fait, ici, tout simplement récupérer ces territoires. Et Ammon, en fait, est resté sur la droite, Moab, en fait, en dessous. Une autre carte, en fait, que je vous montre, en fait, ici, la voici. Okay? Plus ancienne, en fait, ici. Très bien, on voit le territoire de Canaan, en fait, en vert. On voit les Philistins, en fait, à gauche. En dessous, tout en bas, on voit Édom. Au-dessus, on voit Moab. Et ici, on voit ici le territoire en fait des Amorites, c'est-à-dire de Sihon, okay, roi des Amorites. Okay. Et au-dessus, c'est toujours les Amorites, mais c'était Og, roi de Bassan. Et en fait, à droite, nous avons en fait Ammon. Voilà donc en fait ici comment le territoire se trouvait. En fait ici, se trouvait à l'époque. Lorsque les enfants d'Israël viennent du désert, ils ne touchent pas à Édom, ils ne touchent pas à Moab, parce que Moab, en fait, est aussi quelque part de la famille, si je puis dire, en fait, ici, famille de Lot, en tout cas. Et Dieu, en fin de compte, va permettre que le territoire des Amorites, okay, de Sihon et Og de Bassan, soit conquis par les enfants d'Israël, afin que Ruben, Gad et Manassé puissent s'installer, en fait, ici. Ammon restera sur la droite. Ok, donc on voit en fait ici ces territoires, c'est donc en fait intéressant. Donc ici, Sihon, roi des Amoréens, qui les avait, okay, qui les avait repoussés à l'Orient vers le désert. Donc les enfants d'Ammon va être repoussés vers, en fin de compte, le désert. Sur l'ordre de l'Éternel, Moshe fit la conquête, dont on voit ensuite ici. Ok. Sur l'ordre de Moshe, okay, sur l'ordre de l'Éternel, Moshe fit la conquête du royaume de Sihon et le donna en partage aux tribus de Ruben, Gad et Manassé. Nombre 21, versets 21 à 31
et Deutéronome 3, versets 12 à 22. Aussi, dès ce moment, les Ammonites regardèrent-ils toujours les enfants d'Israël d'un mauvais œil. Okay. Ils ne négligèrent aucune occasion de leur nuire et de s'agrandir à leurs dépens. Chaque fois que les Ammonites agirent avec cruauté, chaque fois, les Ammonites agirent avec cruauté. Donc, depuis ce temps-là, il y a une haine quelque part entre les Ammonites et en fait entre Israël, oui bien sûr. Donc cette haine, elle a perduré chez les Ammonites et en fin de compte, chaque fois qu'ils avaient l'occasion en fait d'attaquer Israël, eh bien ils le faisaient, mais ils le faisaient avec cruauté, avec un esprit de vengeance malsaine. Ce fut le cas pendant en fait la période, notamment en fin de compte, des juges de 1400 à 1050 avant Jésus-Christ. On le voit dans Juges chapitre 3, verset 13. Juges, en fait, ici, chapitre 10, verset 7 à 9, et Juges chapitre 11, verset 12 à 32. La fin de la période des juges, en fait, il est écrit, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc là, on voit très bien aussi quelque chose de très 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 important. Chacun faisait ce qu'il voulait. On n'écoutait pas Dieu et en fin de compte, on faisait ce qu'on voulait. Alors, libre à chacun de faire ce qu'il veut sur la terre. Mais la terre et le ciel ont été créés par Dieu, okay, dans un but bien précis, afin que l'on écoute et que l'on mette en pratique ses commandements. Toute personne ou toute nation qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique, qui persévère à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique, va rencontrer tout un certain nombre de problèmes, de difficultés, etc., et finira dans la fosse. C'est ça qui est terrible. Donc toutes ces nations, en fait, qui marchent dans la désobéissance, s'en vont dans la fosse, okay, la fosse éternelle. Pendant la période des rois, okay, les Ammonites se comportent également avec cruauté, donc là on le voit ici. Ok. Pendant la période des rois, les Ammonites se comportent également avec cruauté envers en fait Israël. 1 Samuel 11, versets 1 à 11, vous pouvez donc aller voir. À cette époque-là, Saül, roi d'Israël, se bat contre les Ammonites. 2 Samuel 10, 1 à 2 Samuel 11, 1 nous montre en fait ici, c'est David qui parle. Les messagers de David outragés par les fils de Ammon. Okay. Donc on voit très bien que la tension entre Israël et les fils d'Ammon était très très grande, il y avait une haine très très importante. 2 Chroniques 20, versets 1 à 28. Les Ammonites montent contre Josaphat, ça c'est un autre roi de Juda. Mais c'est un roi de Juda qui marchait bien avec le Seigneur, qui faisait ce qui est droit devant l'Éternel. Les Ammonites attaquent. Okay. Jotham, roi de Juda, un autre roi de Juda, et qui faisait ce qui est droit devant l'Éternel. Donc lui faisait ce qui est droit devant l'Éternel, et en fait il était quand même attaqué par effectivement en fait les Ammonites. Donc ici on voit une certaine agressivité du peuple en fin de compte ici ammonite. Donc c'était très important, on le voit dans 2 Chroniques, chapitre 27, versets 1 à 5. Donc beaucoup d'exemples en fait comme ceci, où on montre que, effectivement, ça se passe très très mal. En 722 avant Jésus-Christ, ce fut la déportation des 10 tribus du Nord, okay, demeurant à l'est du Jourdain, par Tiglath-Pileser. Tiglath-Pileser, c'est le roi d'Assyrie, donc on est au-dessus, en fait ici, les Assyriens deviennent en fait une grande puissance. Et là, effectivement, l'Éternel permet que Tiglath-Pileser puisse prendre, emmener en déportation les 10 tribus du Nord. Pourquoi? Parce que cela fait déjà presque 200 ans que les 10 tribus du Nord sont dans la désobéissance et la soumission à la parole de Dieu. Souvenez-vous du péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam, c'est tout simplement que Jéroboam, roi d'Israël, met en place toute une théologie différente de la Torah. C'est-à-dire, il va instituer, en fait, notamment une fête de l'Éternel, le 15e jour du 8e mois, alors que Dieu avait dit, vous ferez la fête des tabernacles le 15e jour du 7e mois. Donc, il a entraîné toutes les 10 tribus du Nord à une idolâtrie, en fait, ici. Cette idolâtrie a perduré dans plus de 2 siècles.
Mais à la fin, ce n'est plus possible. Évidemment, pourquoi? Parce que ce n'est plus supportable. Dieu a envoyé en fin de compte aussi des messagers, en fait, pour qu'ils reviennent, en fait, à la Torah, mais ils ne sont pas revenus. Au bout de 200 ans, effectivement, donc la décision a été prise. Pourquoi? Parce que les 10 tribus du Nord n'arrêtaient pas, en fait, de pécher, de faire des transgressions, de faire des iniquités, et résultat des courses, ce n'était plus possible. Donc, l'Éternel Dieu décide, en fait, la déportation des 10 tribus du Nord. Ok. Donc, les prophètes, là, on le voit bien, en fait, ici, ça a été annoncé par les prophètes. Sophonie, chapitre 2, versets 8 à 11. Jérémie 49, versets 1 à 6. Ok. Ésaïe et Ézéchiel, chapitre 21, versets 33 à 37. Enfin, de concert avec les Moabites, ils s'unissent aux troupes de Nebuchadnezzar pour marcher contre Jéhoiakim, roi de Juda. Donc ça, c'était un petit peu plus tard. Okay. Donc 200 ans plus tard. Le prophète Amos, en fait, ici, avait déjà prophétisé cela près d'un siècle, en fait, avant. Amos, chapitre 1, versets 13 à 15. Jérémie annonça le châtiment de l'Éternel contre Amon, mais il y aura un rétablissement des enfants d'Amon. Donc c'est très clair, en fait, ici. Quelque part, même si les hommes et les femmes se comportent comme ils veulent, l'Éternel, dans sa bonté, c'est lui qui veut donner la vie. Donc il dit, il y aura quand même un reste qui restera parmi tous ceux qui sont dispersés parmi les nations, qui restent de ce peuple et qui seront rachetés et qui appartiendront en fait à l'Éternel. Mais il y aura un rétablissement des descendants d'Amon, ok, c'est donc très clairement annoncé, au travers de Christ. Malcolm ou Milcom désigne en fait Moloch ou Molech, qui est en fait le dieu suprême des Ammonites, censé en fait ici inspirer tous les actes de ce peuple. Et donc on a ici une petite idée en fait de Amon. Donc tous les peuples, c'est comme cela en réalité, tous les peuples appartiennent à Dieu. Même s'ils ne sont pas croyants ici, quelle que soit leur pratique religieuse, tous les peuples qui sont sur la terre appartiennent à l'Éternel Dieu et devraient écouter et mettre en pratique. Alors, s'il y a des générations qui ne font pas et qui n'écoutent pas, ces générations, bien sûr, sont effectivement condamnées par des malédictions, okay, par des sanctions, par des conflits, des fléaux, etc. Et en fin de compte, meurent et s'en vont dans, en fait, la fosse éternelle. C'est là que c'est terrible, en fait, ici, quelque part. Ensuite, nous passons en fait à Édom. Édom, en fait, ici, bien, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ok, je vous le remontre. Édom, en fait, ici, c'est le peuple, en fait, ici, qui est là. C'est en réalité le frère de Yaakov. Ok, souvenez-vous. Ok, ça remonte à Abraham, en réalité. Abraham, Isaac. Ok, Yitzhak, qui a donc, en fait, deux fils, en fait, ici. Ok. Pardon, Abraham, qui a deux fils. Pardon, je ne sais plus. On va voir ici donc. Voilà, on verra donc tout à l'heure. Ok, sur Édom, ainsi parle l'Éternel. Donc on va donc lire le passage sur Édom. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains, de bons conseils? Le bon conseil a-t-il disparu chez ceux qui ont de l'intelligence? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de dedans, car je fais venir le malheur sur Essav. Essav, c'est Ésaü. Le temps de son châtiment. Si les vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si les voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Essav. Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre et que les veuves se confient en moi. Que les veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devaient point boire la coupe, la boiront. Donc ils boiront aussi la coupe de la colère de l'Éternel. C'est aussi écrit dans Jérémie chapitre 25. Ok, ils boiront la coupe. Et toi, tu resterais impuni? Non, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Okay? Jérémie chapitre 25, versets 15 à 21.
Car je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, Botsra, c'est une des villes, sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, car toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les descendants d'Adam. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur, t'a égaré, toi qui habites le creux du rocher et qui occupe le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, déclaration de l'Éternel. Regardez bien ce verset, en fin de compte, ici, 16. C'est un résumé. C'est un résumé, en fin de compte, pour Éda. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur, t'a égaré. Okay, il a été égaré à cause de son orgueil. Donc il a été amené à prendre position contre en fait Israël, et notamment lors de la sortie de l'Égypte, eh bien, il n'a pas laissé passer le peuple en fait d'Israël par son pays, et il était prêt à lui faire la guerre, effectivement. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux du rocher et qui occupe le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, car en fait Édom vivait un, comment dire, un pays de montagne, donc c'était très très élevé. Tous ceux qui, en fait, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, déclaration de l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sédom et Amora, Sédom c'est Sodome, Amora c'est Gomorre, et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité et il ne sera le séjour d'aucun descendant d'Adam. Donc, la terre d'Édom va devenir une terre inhabitée pratiquement, en fait, ici. Ça, c'est ce que l'Éternel, en fait, ici, annonce et c'est ce qui va arriver. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Yarden, du Jourdain, contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Donc ça, c'est aussi un, comment dire là, un appel prophétique, en fait, ici, où Dieu est en train de dire, mais les restes, en fait, d'Édom, je les sauverai, en fait, ici. Je les ramènerai, en fait, à moi. Mais toutes les générations qui ont été là, qui se sont élevées par présomption, par orgueil, etc., qui ont mal agi, en fait, ici, au cours de leur vie, tout cela iront dans la fosse, en fait, ici. C'est donc très important de bien comprendre cela. On fait ce qu'on veut sur la terre, mais il y a des comptes, en fait, à rendre. Voilà pourquoi, si nous sommes nés sur la terre, nous avons une obligation, celle d'écouter et de mettre en pratique les enseignements de la Torah. Voilà pourquoi il convient de veiller et de faire très, très, très attention à ce que l'on fait. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution de l'Éternel, que l'Éternel a prise contre Édom, et les projets qu'il a conçus contre les habitants de Téman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au cours de leur chute, la terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Bostra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Édom donc va disparaître. Au temps de Yeshua, le territoire d'Édom n'existe plus, en fait, ici. Okay? La nation, en fin de compte, ici, les Édomites qui restaient avant que Yeshua ne vienne, eh bien, ont été réintégrés, en fait, ici, pour des raisons politiques, ont été réintégrés en fait au peuple juif. Et c'est devenu l'Idumée, l'Idumée. Et en fait ici, eh bien, ils sont circoncis par obligation, mais ils ne s'écoutent pas, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Nous avons de très bons exemples. Au temps de Yeshua, Hérode est un Iduméen, c'est-à-dire il a des racines édomites, toute la famille de Hérode. Et effectivement, il se comporte d'une manière odieuse, et d'une manière en fait absolument abominable devant l'Éternel. Pourtant, ils sont considérés aux yeux des nations comme juifs, aux yeux de Rome
comme juifs parce qu'ils sont circoncis, mais ils ne le sont pas de leur cœur. On le verra effectivement dans l'enseignement, dans l'enseignement de cette semaine, dans le mardi prophétique même de cette semaine. Vous pourrez en fait le voir, effectivement, puisqu'on parlera de la famille de Hérode. Donc ici, Édom, ici, va disparaître en tant que nation. Il va y avoir des restes d'Édom, oui, bien sûr, et les restes d'Édom vont être, en fait, ici, restaurés. J'établirai sur elle celui que j'ai choisi. On est bien d'accord là-dessus. On continue, et en fait ici, bon, je passe sur Édom, en fait ici, je ne vais pas vous passer tous les versets sur Amon, ni sur tous les versets sur Édom. La seule chose qui se passe au temps de des enfants d'Israël lorsqu'ils sortent de l'Égypte, est que, en fait ici, Édom leur refuse en fait le passage. Cependant, les ennemis furent frappés d'une malédiction pendant trois générations, les trois générations suivantes. Aussi, aucun ennemi ne put se convertir et venir à l'Éternel. Deutéronome 23, versets 7 à 8. Ceci sont des exemples, il y en a eu d'autres, oui, bien sûr. Mais c'est très important, car selon la gravité des événements, eh bien, cela peut faire qu'un descendant d'Adam ne peut pas, en fait, se convertir, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il règne sur lui, il pèse sur lui une malédiction ou une malédiction ancestrale. C'est donc très important d'analyser ces choses. Ici, je ne vais pas faire un enseignement sur les malédictions, mais c'est extrêmement important, en fait, ici, de solliciter le Seigneur et de demander pardon, oui, bien sûr, pour les péchés de nos pères, afin qu'ils ne nous retiennent pas, que les péchés de nos pères ne nous retiennent pas, ne nous empêchent pas d'accéder, en fait, au salut. Mais en général, aujourd'hui, en fait, ici, quand un homme a la possibilité ou la faculté de pouvoir donner son cœur et sa vie à Yeshua, cela veut dire qu'il ne pèse pas de ce type de malédiction sur lui, bien évidemment. Sinon, il ne ferait même pas, en fait, ici, la demande, ou il ne serait pas sollicité par l'Esprit de Dieu. Les Édomites. Donc, voici, en fait, ici, donc on a beaucoup de choses, en fait, à dire sur les Édomites, mais je ne vais pas, en fin de compte, ici, voir tous les versets. Je vous en cite, en fait, ici, juste un Jérémie 49, verset 17. Ok, Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. On a lu tout à l'heure ce verset, on le rappelle en fait ici. Ou dans Ézéchiel. Ézéchiel en fait ici, chapitre 25, verset 12. Ok. Ainsi parle l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda. Voilà pourquoi en fait ici, Édom a montré beaucoup, beaucoup d'animosité, okay, et de sentiments de vengeance vis-à-vis, en fait, ici, de Juda et d'Israël. Ok. Maintenant, on va passer à Damas. Damas, en fait, ici, donc tout ça sont des exemples pour montrer que Dieu s'occupe de tout le monde. Tous les hommes sur la terre seront jugés pour ce qu'ils ont fait, pour leur comportement, en fin de compte, devant l'Éternel. Sur Damas, donc Damas, eh bien en fait vous le voyez en fait ici, ok, je vais vous le montrer en fait ici sur une autre carte, ok, la Syrie, bon ça n'a pas toujours été ce même contour partout, hein, à tous les moments, mais ici vous avez la ville de Damas, en fait vous la voyez, au-dessus vous avez Homs et vous avez Alep, ok, la Syrie en fait ici est à l'est du Liban, vous voyez le Liban en fait ici, Israël en fait en dessous. Aujourd'hui, la Jordanie, en fait, en dessous, en fait, ici, et elle est côtoyée par l'Irak, oui, bien sûr, et la Turquie, en fait, au nord. OK. Ça, c'est la Syrie actuelle. Ça n'a pas toujours été ce même dessin-là. Peu importe. Voyons ce que l'Éternel dit sur la Syrie, sur Damas. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une nouvelle annonçant un malheur. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. La détresse angoissante, donc ici c'est le mot de Sarah, ok, j'en avais déjà parlé, c'est pas le mot de Tsar qui veut dire détresse déjà, mais ici c'est Sarah, et Sarah c'est la détresse angoissante, ok. C'est en fait ici un climat de vie extrêmement difficile, ok, où en fait on est dans l'angoisse. Comme ce que peut vivre en fait la Syrie aujourd'hui, elle est dans la détresse angoissante, oui bien sûr.
Et les douleurs la saisissent comme une femme au travail. Ah, elle n'est point abandonnée, la vie glorieuse, la ville qui fait ma joie. Tiens, l'Éternel, en fait, ici, aimait cette ville-là. C'est une grande ville, en fait, ici, qui servait de carrefour, en fait, pour les, comment dire, les routes commerciales, etc., d'échanges, en fait, entre les peuples. Damas est une ville qui fait ma joie, dit l'Éternel. C'est pourquoi les jeunes gens tomberont dans les rues. Mais elle s'est mal comportée. La Syrie s'est très très mal comportée d'une manière générale. Oui, bien sûr, donc elle est condamnée. Ok, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, déclaration de l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et je dévorerai les palais de Ben-Hadad. Donc ici, ça a été glorieux, hein? En fait, ici, la Syrie a connu des moments glorieux, très glorieux. Damasek, en fait, ici. Donc ça existe, Damasek, ça veut dire Damas en fait en hébreu, 45 fois dans 40 versets. Damas, ça veut dire silence de celui qui tisse les sacs pour se vêtir. Ok, c'est une ville de Cham. Ok. Okay. C'est une très ancienne cité mentionnée déjà au temps d'Abraham, en Genèse 14, verset 15, à environ 200 km au nord-est de Jérusalem. Damas est située sur un plateau transformé en véritable oasis par deux courants d'eau, l'Abana et le Parpar. Donc c'était un plateau très fertile, un plateau d'échange. David s'en empara et la fortifia. On le voit effectivement dans 2 Samuel chapitre 8 versets 5 à 6 et 1 Chronique chapitre 18 versets 5 à 6. Okay. Donc après avoir défait le royaume syrien de Tsoba, un homme rappelé Rezon, ok, bon, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, il y a eu différents rois, en fait, sur la Syrie. Ok, Damas fut la capitale de Etzion, de Tabrinon, des rois portant les noms Ben-Hadad, d'Azaël, de Retsin, etc. On connaît, ils sont très présents dans l'Écriture, et souvent des ennemis, en fait, bon, d'Israël. Ok. C'est pour ça qu'en fait, ici, certains rois d'Israël, certains rois de Juda même, on fait appel en fait à, comment dire, au roi assyrien, à Tiglath-Pileser, comme c'est le cas avec Ahaz, roi de Juda, appela Tiglath-Pileser, roi d'Ashour d'Assyrie, qui prit Damas en 732 avant Jésus-Christ, avant que les 10 tribus du Nord ne soient emmenées en captivité en 722. Donc, le roi de Juda sollicite en fait l'Assyrie, qui attaque en fait la Syrie, et emmène en fait Damas, c'est-à-dire la Syrie, en déportation. Donc les habitants ont été déportés à Kir, okay, et en fait ici, Retsin en fait est mort. Retsin, le roi de la Syrie, est donc mort en fait ici dans cette opération. Donc c'est des conflits temps, des périodes de conflit. Toutes ces périodes de conflit, c'est tout simplement parce qu'on est dans la désobéissance en fait à Dieu, et effectivement, quelque part, eh bien, il y a donc des conflits, des tensions, etc., entre les hommes, et c'est la guerre, évidemment. Ok. À l'époque de Paulos, ok, à l'époque de Paulos, la ville, en fait ici, ok, la ville appartenait au roi Arétas de l'Arabie pétrée. Je vous montrerai tout à l'heure l'Arabie pétrée. Puis elle revint aux Romains, en fait, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 32. Okay. De nombreux juifs habitaient Damas, etc. Okay. Donc, il y a pas mal de versets en fait aussi sur Damas. Damas, en fait, on dit ici, est condamné. Ésaïe chapitre 8, verset 4, nous dit en fin de compte ici ceci, regardez, en fait ici, nous dit ceci. Okay. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas, le butin de la Samarie. Tout était écrit et annoncé par les prophètes par avance. Donc, quand un royaume, en fait, va être détruit, en fait, tout le monde, tous ceux qui écoutent, les prophètes, bien sûr, les prophètes de Dieu, savent ce qui va se passer. Ésaïe 17:1, en fait, ici, nous dit, voilà, oracle sur Damas, voici Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Okay. Jérémie 49, 27, ça c'est ce qu'on vient de voir. On va le relire juste pour mémoire, en fait ici. Je mettrai le feu au mur de Damas, il dévorera les palais de Ben-Hadad.
donc les palais de Ben Hadad. Donc, ça veut dire qu'il y avait ici une certaine gloire, une certaine, comment dire, des palais resplendissants, en fait, ici, au temps de Ben Hadad. Tout cela, en fait, est tombé, oui, bien sûr. Tout ça à cause de la méchanceté, de l'orgueil, de la désobéissance, de la soumission, des, comment dire, ben de tout ce qui est méchant, tout ce qui n'est pas conforme en fait aux Écritures. Amos chapitre 1, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. Donc le comportement de la Syrie était particulièrement dur, notamment vis-à-vis d'Israël. Donc voilà pourquoi il y a donc des jugements qui sont très durs. Tout ce que l'on fait sur la terre aura toujours, toujours une rétribution. Ok? Et si en fin de compte on persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, eh bien le résultat de la course, c'est qu'à notre mort, enfin ou à la mort de la personne ou du pays, eh bien effectivement les hommes s'en vont dans la fosse. Ok? Il n'y a pas de résurrection possible là ou de rétablissement, bien évidemment. Okay. Amos chapitre 5, verset 27, ici. Un autre passage. Je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Mais même pour en fait les Syriens, il y aura effectivement une restauration pour un reste en fait ici qui a été dispersé. C'est donc très important de comprendre cela en fait ici. Kedar en fait ici. Maintenant, on va les voir. Sur Kédar. Kédar et les royaumes de Hatsor que bâtit Nebuchadnezzar. C'est quoi Kédar? Eh bien, Kédar, je vous le montre sur cette carte, en fait, ici. Donc, vous voyez Jérusalem, ici, en fait, à gauche de la carte. Et vous voyez, en fait, ici, Kédar, juste en dessous, à droite. Kédar, en fait, ici. Donc, c'est les peuples qui habitent, en fait, au nord de l'Arabie. Ce sont des peuples, en fait, ici, comment dire, d'éleveurs de moutons, etc. Et aussi des guerriers, mais des archers, en fait, ici. Donc, ils ont été aussi, à certaines époques, extrêmement, extrêmement habiles. Ce sont, d'une manière générale, les descendants d'Ishmaël. Très bien. D'Ishmaël. OK. Donc, on va le voir, en fait, ici, ce qui est dit sur Kédar. Sur Kédar et les royaumes de Hatsor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babel, ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. Donc ils ont été appelés souvent fils de l'Orient. Fils de l'Orient, cela veut dire en fait les Arabes qui viennent de la région de Kédar, mais qui en réalité sont des descendants, en fait ici quelque part, d'Ishmaël. On prendra le premier fils d'Abraham. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatsor, déclaration de l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babel, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, déclaration de l'Éternel. Ok, elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire. Leurs chevaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux seront une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, déclaration de l'Éternel. Hatsor sera le repaire des chacals, un désert pour toujours, personne n'y habitera, aucun descendant n'y séjournera. Donc ça, c'est Kédar. Kédar, en fait, ici, donc je vous le remontre, en fait, ici. Kédar, on l'a, en fait, ici, vous avez un petit résumé. Kédar, ce n'est pas un mot qui existe très souvent, ça existe 11 fois dans 11 versets. C'est d'abord un fils d'Ishmaël, dans Genèse 25, 13. Habitant sous les tentes noires, les descendants de Kédar descendaient des troupeaux, des chameaux, en fait, ici. Ok, donc on trouve ça dans Genèse 25, 13. Ok, donc Kédar, des campements dans le désert. Ce sont des nomades, ils étaient établis en Arabie, en fait, ici, on le sait bien, dans Ésaïe 25, 13 à 16, c'est marqué, et Ézéchiel, en fait, ici, 27, 21. Et quelque part, entre l'Arabie pétrée et Babylone.
Ces princes commandaient des archers réputés pour être habiles. Ézéchiel et Ésaïe, par exemple, 21, versets 16 à 17. Pline les appelle Cédrés. Ils sont appelés fils de l'Orient dans certains versets, comme dans Juges 6:3, Job 1:3, Ésaïe 11:14. Ils n'ont pas de ville fortifiée, Nebuchadnezzar les dominera. Quelques versets sur, en fait, ici, les gens de Kédar. Genèse 25:13. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, en fait, ici, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Israël, Kédar, en fait, ici, qu'on retrouve. Okay. Donc, c'est bien, en fait, un descendant d'Ishmaël. Dans Ésaïe 21, en fait, 16, qu'est-ce qui nous est dit dans ces deux versets, 16 et, en fait, 17? Que nous est-il dit? Car ainsi m'a parlé l'Éternel, encore eu une année, comme les années des mercenaires, et s'en est fait de toute la gloire de Kédar. Donc, Kédar est condamné aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils se sont mal comportés. Ils se sont comportés en guerriers, et ils étaient en fait ici des mercenaires. Ésaïe 21-17, il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Donc on le voit en fait ici, même chose. C'est toujours en fait ici leur comportement. Nous sommes libres de faire ce que l'on veut sur la terre, oui, mais on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre parce que la terre appartient à l'Éternel Dieu et le ciel appartient à l'Éternel Dieu. Donc toute la manière dont on agit, en fait, on se comporte, on parle, etc. On aime ou on n'aime pas, eh bien tout cela sera jugé. Sur Kédar, en fait, ici, et les royaumes de Hatsor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi par l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. Donc ça, c'est dans Jérémie. Donc vous voyez, Ésaïe, Jérémie, ils parlent tous. En fait, ici, tous les prophètes parlent. Donc je vous ai parlé en fait ici du royaume aussi des Nabatéens. Ok. Donc un peu plus bas en fait ici sur cette carte, qu'est-ce que vous voyez en fait en jaune? Ok. Donc ici, dans jaune, vous voyez ce qu'on appelle en fait le royaume de l'Arabie Petra. L'Arabie Petra, c'est donc enfin un royaume qui est en fait ici florissant au temps effectivement d'Hérode. Et en fait la capitale, c'est Pétra. Donc ce sont des Arabes qui sont là et qui en fait ici ont, comment dire, pris position ici très proche en fin de compte d'Israël. En fait ici. Donc ce sont ce qu'on appelle les Arabes nabatéens. En fait ici. Okay. Donc on va en parler. Ici, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle en parle. Donc, c'est pas Kedar, en fait, ici. Donc, je descends et on va les voir ici. Voilà. Donc, là, c'est Arabe pétré. Voilà, Arabe pétré, voilà. Et ensuite, on va parler de l'Arabie. En fait, de Elam. Voilà, c'est ça. Donc, l'Arabie pétrée, c'est ça, en fait, ici. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'impact en fait à cette époque-là. Donc ici, on arrive en fait ici à Élam. Élam en fait ici, c'est très important cette partie-là. Donc vous voyez ici, donc du verset 34 au verset 39, on parle de Élam. Élam c'est qui? Eh bien vous le voyez en fait ici. Vous voyez ici, en fait ici c'est Babylone, la plaine de Babylone, avec le Tibre et l'Euphrate. Et en fait vous avez Élam en fait ici en rose. Vous l'avez sur la carte en fait à droite. Élam, c'est une partie en fait, ce sont des peuples qui habitent en fait en Iran. On resitue en fait ici la carte par rapport à l'Iran en fait actuel. Élam en fait ici, c'est une partie à gauche en fait ici de peuples qui habitaient dans cette région-là. Par rapport en fait à Israël, on le voit en fait ici, l'Iran, et en fait Élam se trouve en fait ici pratiquement, en fait ici. Donc à peu près à 1000 miles, en fait, ici, un mile, c'est, je ne sais même plus combien de kilomètres c'est, en fait, ici. Donc, en fait, ça doit faire 1500 km, 1500 km, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, Élam, c'est très important parce que c'est de là
que l'Éternel va susciter en fait ici des hommes, notamment Cyrus en fait ici le grand, qui en fait ici sont pro en fait Israël quelque part, et en fait ici va soutenir, délivrer le peuple d'Israël du joug en fait de Babylone, afin que le peuple d'Israël puisse retourner sur sa terre et reconstruire en fait ici Israël. Donc c'est le peuple des Mèdes et des Perses qui va naître à partir en fin de compte de là, en fait ici de Élam. Voyons en fin de compte ce qui est dit sur Élam. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Yirmiyahou, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Tsidkiyahou, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa force principale. Verset 36. Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités des cieux, je les disperserai par tous ces vents, il n'y aura pas une nation où n'arrivera des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur âme. J'amènerai sur eux des malheurs, l'ardeur consumante de ma colère, déclaration de l'Éternel. Je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône sur Élam, mais je ferai que le roi et les chefs soient détruits, déclaration de l'Éternel. Donc, à un moment donné, Dieu a placé son trône sur, en fait, Élam, oui, bien sûr, et en fait, il va susciter Cyrus. Tout ça dans le but, effectivement, de régler les affaires ici de la région, bien évidemment, les dominations mondiales. Mais cela ne restera pas et cela ne subsistera pas. Donc, de cette petite région, en fait, ici, l'Éternel va susciter, en fait, le royaume des Mèdes et des Perses. Vous voyez au-dessus, il y a les Mèdes, en fait, ici, et à droite, vous voyez, en fait, les Perses. Donc, Élam était vraiment un petit pays, en fait, ici, qui va être suscité par l'Éternel pour devenir une grande puissance, la puissance des Mèdes et des Perses, qui vont effectivement dominer tout le monde entier. Avant, effectivement, que cela ne soit, c'était en fait Babylonia. Babylonia, vous voyez ici, c'est Babylone, en fait ici. Donc, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, c'était Babylone qui dominait toute la région, oui, bien sûr, du Moyen-Orient. OK? Avec Nebuchadnezzar, souvenez-vous. Mais en fait ici, Dieu ne va pas laisser la domination à Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'il faut que les enfants d'Israël rentrent en fait au pays. Donc au bout de 70 ans, en fait ici, très clairement, d'une manière très précise, Dieu va susciter Darius le Mède, okay, et Cyrus, donc les Mèdes et les Perses, pour renverser le royaume en fait ici de Babylone. Donc c'est eux qui vont dominer en fait ensuite sur toute la région effectivement ici du Moyen-Orient. Donc ça c'est pour vous montrer que c'est l'Éternel qui suscite et qui fait les dominations. Il fait les dominations dans le but de renverser en fait les cartes et effectivement de remettre les choses en fait à l'heure. Donc le royaume des Mèdes et des Perses, oui, bien sûr, va être très puissant. Okay. Mais ici au verset 35, qu'est-ce que je vois? Ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais briser l'arc d'Élam. Donc même si Élam, alors qu'aujourd'hui en fait ici au temps de Jérémie 49, OK. Et eh bien effectivement, quand Jérémie parle, la puissance des Mèdes et des Perses n'est pas là, pas encore. Elle n'est pas constituée. Donc elle va se constituer, mais au travers de la bouche de Jérémie, Dieu dit qu'il va détruire l'arc d'Élam, c'est-à-dire la force d'Élam, la puissance en fait d'Élam, sa principale force. Verset en fait 36, et il dit très bien comment. Je verrai, je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités des cieux. Je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas de nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Donc Élam va dominer toute la région, en fait ici, tout le Moyen-Orient, bien évidemment, jusqu'à en fait l'Iran, bien évidemment. Okay, le monde entier, en fait ici, le monde civilisé de l'époque, eh bien en fait était dominé par Élam. Mais Dieu dit en fait ici, cette domination ne va pas subsister. En réalité, elle a subsisté un peu plus de 2 siècles, tout simplement, 2 siècles. Mais en fait, en 331, okay, qu'est-ce qui se passe? 336, très précisément.
Eh bien, c'est en fait Alexandre le Grand qui est suscité, qui est un Grec, et qui devient en fin de compte ici le roi, en fait ici des Grecs. Ok. Il vient d'une petite région de la Grèce, en fait c'est la Macédoine, mais il va devenir extrêmement puissant, extrêmement puissant. Il va dominer partout, 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 partout. Puis il va mourir. Il va mourir très jeune, et en fait ici ce sont ses généraux, quatre généraux. Ils sont ici symbolisés par les quatre vents des quatre extrémités des cieux, qui vont en fin de compte ici prendre le contrôle de son empire et diviser en fait l'empire des Mèdes et des Perses, en fait ici, le diviser en fait ici en quatre morceaux, tout simplement, par quatre vents en fait ici qui soufflent. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur âme. J'amènerai sur eux des malheurs. La radeur consumante de ma colère, déclaration de l'Éternel, je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Donc le royaume d'Élam va être anéanti et il y aura des dispersés partout, partout, partout dans le monde. Ok, donc ça c'est pour vous expliquer que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Oui, bien sûr. Donc nous vivons ces époques-là. Aujourd'hui, en fait, ici, nous sommes en 2022. Nous sommes en France, okay, et c'est l'Éternel Dieu qui a tous les pouvoirs. Et c'est lui qui suscite tel homme ou tel autre homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si en France, nous avons en fait ici Macron, effectivement, comme président, c'est parce que l'Éternel Dieu l'a permis, oui, bien sûr, pour éviter que nous soyons effectivement sous, en fait, la domination du Front National ou sous la domination de la NUPES, en fait, ici. Okay. Qui sont en fin de compte, bien sûr, des partis politiques, et on n'est pas là pour faire de la politique, mais qui sont des partis, en fait, ici, contre Dieu et néfastes contre Dieu. Et c'est ça qui est extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, parce que l'Éternel Dieu ne veut pas que la France soit soumise à un joug, en fait, ici, ok, fasciste ou à un joug de la NUPES, certainement pas. Mais. Les dernières élections montrent quand même qu'effectivement, nous avons une montée du Front National très très importante avec un groupe de députés extrêmement important. Ceci, en fait, ici, annonce très clairement que les prochains gouvernements, en fait, ici, au niveau de la France, seront très certainement de tendance, en fait, ici, fasciste, oui, bien sûr, Front National. Et ça va aller, en fait, ici, dans une. Comment dire? Une politique qui n'est pas souhaitable pour les Français, okay, ni pour les croyants, oui, bien sûr. Mais c'est le choix des Français, tout simplement, en fait, ici. Donc, eh bien, effectivement, il faut se préparer. Il faut s'attacher à l'Éternel Dieu et comprendre, dans ce contexte, ce que nous avons à faire. Car nous devons être des témoins de la vérité, oui, bien sûr. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important de se préparer, d'écouter en fait la Torah, de la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. C'est donc extrêmement, extrêmement important car les choses, nous allons vivre des temps très, très, très difficiles où encore même des fléaux vont se répandre, pas seulement l'épée, la famine et la peste, oui bien sûr, mais également en fait toutes sortes d'autres fléaux qui, en fait, ici, sont là pour augmenter l'état de détresse. C'est-à-dire, on n'est plus dans un état de détresse tout court, mais une détresse angoissante. C'est-à-dire qu'on passe de l'état de tsar, détresse, en fait, en hébreu, à tsara, qui est la détresse angoissante, en fait, ici, où on ne sait plus à quel saint se vouer. Comme par exemple, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, tous ceux qui sont partis, en fait, en vacances, sur la côte, notamment, et qui en fait ici sont menacés en fait ici par effectivement les incendies très nombreux en fait ici. Ça, c'est un exemple. Cela entraîne, on n'est plus dans la détresse, on est dans la détresse angoissante. Est-ce qu'on va garder sa maison? Est-ce que ceci? Est-ce qu'on ne prend pas des risques? Etc. On est dans un état de détresse angoissante. Cette détresse angoissante, elle va s'accroître de manière extrêmement importante par différents faits, différentes choses graves. Par exemple, en fait aussi, l'augmentation de la violence, en fait aussi, quelque part. Donc, tout cela va venir. Nous n'avons pas à avoir peur, mais nous devons nous attacher à écouter et à mettre en pratique
avec grâce et vérité. Je vous encourage donc, en fait, ici, à vraiment, en fin de compte, ici, comment dire, témoigner autour de vous qu'il faut s'attacher au seul Dieu unique et vrai, celui qui sauve, okay, qui est le maître des circonstances. Très bien, je vous encourage, on va terminer par une petite prière si vous le voulez. Ok. Ok. Terminons par une petite prière. Père très saint, merci. Merci parce que tu nous as appelés. Tu nous as rachetés par ton Fils bien-aimé pour que nous soyons à toi. Père très saint, nous te rendons grâce en pression de choix pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies. Étends ta main bienfaisante. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Ouvre les yeux et les oreilles de nos cœurs afin que nous puissions mieux comprendre, mieux discerner les temps et les circonstances. Que nous puissions mieux faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance dans les temps qui viennent. Car les hommes et les femmes, on le voit d'une manière manifeste, ne se tournent pas vers toi. Ils font ce qu'ils veulent, comme en fait hier, les nations faisaient ce qu'elles voulaient, ok, devant toi. Elle ne s'occupait même pas de toi. Je te rends grâce dans le précieux choix et tends ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, utilise-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, afin que des hommes et des femmes puissent être touchés par la puissance de l'esprit, se repentir à la gloire de ton salon. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, car tu ne veux pas la mort des uns et des autres, Seigneur. Non, tout ce que tu veux, c'est qu'ils soient sauvés, qu'ils écoutent, okay, qu'ils puissent recevoir un témoignage de ta parole, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shabbat shalom à tous. Amen.